s'est réinstallé en France, on a cherché des projets en proche banlieue parisienne et on est tombé sur le Quai au Grain. On a décidé de s'installer ici. La volonté, c'était de montrer, par une succession de poses de première pierre et de coupage de ruban, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la cohérence d'ensemble du projet de développement de ce quartier d'Ivry-Port dans le cadre du projet Ivry Confluence. Donc oui, ça, je pense que ça a amené tout un tas d'habitants et c'est tant mieux pour la ville, quoi. Mais ça faisait plus familial. Là, maintenant, je ne sais pas, comme il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, donc je ne sais pas. Nous avons fait le choix, pour inaugurer toutes ces nouvelles réalisations, d'en faire un jour de fête à Ivry-Port. Un jour de rencontre, de découverte et d'échange pour tous les habitants du quartier, les anciens comme les nouveaux. On paye en fonction de nos revenus, donc ce n'est pas cher. On va dire que c'est pas cher par rapport au prix du marché, du privé dans le quartier ou à côté à Paris. Ivry, je découvre. Et alors vraiment, Ivry, j'adore. J'habitais dans le 12e arrondissement et je découvre beaucoup d'activités culturelles. C'était une chance pour moi et je tiens à remercier la ville pour ce qu'elle fait pour nous, anciens Ivriens. Je suis agréablement surprise, voilà, qu'on puisse agrandir autant une ville. Mais j'ai cependant quelques craintes sur la fusion Ivry et nouveaux habitants. Je dirais que l'alchimie, elle est en train de bien prendre. Les gens qui viennent ici, que ce soit dans le logement social, d'ailleurs dans le cadre du 1% patronal assez souvent, ou que ce soit dans le cadre de l'accession à la propriété, j'ai quand même le sentiment, et j'en ai eu plein de témoignages aujourd'hui, qu'ils ne viennent pas à Ivry par hasard. Forcément, parce qu'il y a des nouveaux habitants, donc du coup il va y avoir des nouvelles rencontres, il va y avoir des nouvelles ambitions, des nouvelles envies, enfin, c'est forcément un plus. Je me réjouis de cette transformation, mais en même temps, faut que je retrouve mes repères. Je suis perdue aujourd'hui. Bah, j'aime bien ma nouvelle école, j'aime bien le quartier. Il y a plein de nouvelles choses et puis il y a beaucoup d'espace pour jouer ici.